Nous sommes ici à Mulhouse, rue de l'Isère, dans les locaux de l'ASP, l'association Aimer, Servir et Partager, une association qui délivre des colis alimentaires et répond à des besoins sociaux divers. Hein. Et je repensais à cette phrase, hein, « À Noël, pensez à quelqu'un d'autre ». C'est une manière habile de piquer la conscience des potentiels donateurs pour les décider à retrouver leur porte-monnaie qu'ils avaient perdu quelque part au fond de leur poche, hein, et les amener à soutenir, hein, un peu quelques causes. Hein. C'est un fait. Vous aurez toujours des pauvres, hein, avec vous. Alors, est-ce que quelques pièces, hein, ou un peu d'aide en nature suffira à supprimer toute la misère du monde? Non. Enfin, oui, oui et non. Non, parce que à vous tout seul, vous ne pouvez pas changer le monde entier. Mais oui, parce que si chacun donnait, alors il y aurait de la nourriture pour tous et la terre deviendrait un meilleur endroit à vivre. Et oui, surtout pour celui qui reçoit. Donner reste la source de joie la plus grande qui puisse exister. Savoir qu'un enfant va s'endormir sous une petite lumière parce qu'il a été encouragé, ou que votre voisin, grâce à un geste d'entraide, se découvre tout à coup important à vos yeux. Est-ce que vous vous souvenez combien vous souhaitiez cette consolation, ces encouragements quand vous étiez enfant, ou peut-être quand vous étiez seul? Jésus nous a fait cadeau d'une magnifique espérance. C'est le moment de faire passer la bénédiction. Et pourquoi seulement à Noël ?